Bonjour mes amis. Le soin énergétique collectif et intemporel que nous allons réaliser aujourd'hui m'a été inspiré par vos commentaires que vous avez eu la gentillesse de mettre sur ma chaîne YouTube, ainsi que les nombreux likes que vous y avez déposés. Merci pour cela et n'hésitez pas à continuer parce que je m'en inspire pour les prochains soins collectifs. Alors aujourd'hui nous allons particulièrement traiter, soigner tout ce qui est anxiété, stress, angoisse, peur, déprime, et on peut aller plus loin jusqu'à la phobie, ainsi que le burn-out, et par ce chemin-là aussi un certain nombre d'insomnies. Donc vous voyez, le sujet est vaste et je sais, en voyant tous ces commentaires, qu'il intéresse énormément de personnes parce que déjà notre société est très anxiogène et en plus les événements que nous traversons actuellement ne font qu'aggraver la situation, comme vous le savez. Bref, je vais vous faire un soin qui va comporter donc deux parties, comme à mon habitude, un soin standard qui va permettre de traiter le recentrage des corps subtils, l'ouverture des chakras, la relance de la circulation énergétique, la levée des blocages, etc. etc. Et puis une autre partie qui sera consacrée plus précisément sur ces notions de peur, d'angoisse, de stress que nous connaissons tous et qui viennent nous bloquer dans notre vie présente. Et enfin, il faut bien savoir qu'en levant ces blocages, vous allez pouvoir redévelopper l'être magnifique que vous êtes. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer donc ce soin et comme à notre habitude, je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de rentrer dans votre corps. Vous pouvez ressentir ce qu'il s'y passe. Et puis, commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. N'essayez pas de maîtriser votre esprit. Focalisez-le plutôt sur des sujets agréables, des beaux souvenirs, de la lumière. Sentez aussi comment que votre corps se détend, votre esprit se relaxe à chaque inspiration et à chaque expiration. Comme à mon habitude, je vais me taire maintenant pour procéder au soin. Je vous raconterai également ce que j'ai fait, ce que j'ai vu à la fin de ce soir. À tout à l'heure.
voilà, mes amis. Le soin est maintenant terminé. Il est possible et même probable que ce sera un petit peu plus difficile aujourd'hui de revenir ici et maintenant. Parce que nous étions partis très loin, très haut. Très haut dans la lumière, dans la paix, le calme. Mais revenez ici, tout en sachant que vous pouvez recommencer aussi souvent que vous le voudrez. Ce soin collectif. Il est même conseillé que vous le refassiez régulièrement. Parce que, à chaque soin, plutôt chaque soin, ira encore un peu plus en profondeur. Ce présent soin a déjà éliminé une bonne partie, mais il en reste d'autres, plus profondément. C'est ce que j'ai travaillé avec la levée des blocages, en rapport avec des vécus, des souffrances, des croyances qui vous perturbent et qui vous génèrent ces états d'angoisse et de stress. Ces phobies, burn-out, déprime. Donc revenez ici et maintenant, reprenez conscience de la réalité qui vous entoure. Commencez à faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Ouvrez les yeux, étirez les bras, étirez les jambes. Et revenez ici, sur la terre, avec nous. Voilà, comme je viens de vous le dire, donc j'ai fait un soin standard. Il avait quand même deux particularités, c'est que j'ai travaillé beaucoup sur les blocages énergétiques qui pouvaient être à l'origine de vos problèmes d'angoisse, de stress, de phobie, etc. Donc j'en ai éliminé plusieurs, il se peut qu'il en reste d'autres, d'où la nécessité de recommencer plus tard cette vidéo. Pas trop vite, laissez-les digérer déjà le premier soin avant d'en faire une autre, mais un délai de 8 à 15 jours me paraît raisonnable. En plus, j'ai remarqué aussi que au niveau des chakras, il y avait un grand nombre de chakras qui étaient fermés et difficiles à ouvrir, en particulier le chakra du cœur, du plexus, le chakra sacré. Donc là, je les ai relancés, mais là encore, il sera bien de recommencer un petit peu la manœuvre pour obtenir un effet durable. Au niveau de l'enfant intérieur, il vous a donné deux message à deux niveaux différents. Le premier est pragmatique, dans le sens que il faut savoir que tout ce qui est angoisse, stress, etc., sont généralement des problèmes de peur anticipative. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, pour certains stress, c'est des vécus que l'on a dans le présent, comme quand on se retrouve à vivre avec un pervers narcissique, ou quand on est dans un pays où il y a des attentats, de la guerre, etc. C'est une évidence que ces peurs sont logiques, on peut les soulager, mais c'est l'entourage qui génère sans arrêt ce genre de problème. Par contre, la plupart de nos problèmes que nous avons, nous, dans cette vie, heureusement, dans notre pays, c'est surtout des stress anticipatifs, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de gamberger ce qu'il pourrait se passer de pire dans le futur, et ça nous met dans la peur, dans les angoisses, dans le stress. Alors, le premier message de notre enfant intérieur nous dit, pour sortir de ce cycle, il faut évidemment arrêter de gamberger sur le futur ou de ruminer le passé. Il est passé, qu'il soit bon ou mauvais, il est passé. Donc, rien ne sert de le ruminer, rien ne sert d'anticiper, parce que le futur, on ne peut pas le contrôler. On essaye de faire au mieux pour l'anticiper, mais pas plus, on peut pas le contrôler. Par contre, il est intéressant de vous remettre dans l'instant présent, dans les actions que vous faites dans le quotidien,
Donc ça, c'est très très important. Soyez à ce que vous faites. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous aurez cette concentration dans le présent, dans le ici maintenant, comme on dit souvent, eh bien, tout simplement, le mental commence à s'arrêter. Et aussi, cette supputation constante dans la tête de ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc, remettez-vous bien dans l'instant présent parce que c'est là la clé. Déjà, de faire un maximum dans le présent et puis pour le futur, advienne que pourra. Justement, advienne que pourra nous amène à la deuxième, le deuxième message que nous transmet l'enfant intérieur, c'est qu'il convient que vous soyez dans la confiance. Dans la confiance. Déjà, dans la confiance en vous-même. Parce que vous avez des capacités, des talents, des possibilités, et vous avez surmonté déjà dans votre vie des tas d'épreuves, et il n'y a aucune raison que vous ne surmontiez pas non plus l'épreuve que vous vivez ou que vous pourriez vivre. Moi, je pense que de toute façon, dans notre vie, nous avons des épreuves qui sont parfois terribles, ça je vous l'accorde volontiers, mais nous n'avons pas d'épreuves qui soient au-dessus de nos possibilités. Pour moi, c'est peut-être une croyance, me direz-vous, mais c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Donc, faites confiance, faites-vous confiance, soyez confiants dans vos capacités, dans vos talents, dans votre force. Vous avez la possibilité de faire face à une multitude de choses et ainsi de les transmuter, surtout si vous les transmutez avec la force de la compassion, du partage, de l'équité, de l'intégrité, de l'amour. Parce qu'il est très important dans les épreuves de toujours conserver son intégrité et ça, c'est vraiment extraordinairement important. Restez vous-même quoi qu'il arrive. Et puis la deuxième chose, c'est au-delà de vos forces, de votre force intérieure, sachez aussi qu'il est important aussi de faire confiance dans la vie. La vie aussi nous apporte des choses extraordinaires, elle est magnifique, toute cette nature, ce soleil, ces étoiles dans le ciel, tout ça, elles sont magnifiques et faites aussi confiance en la vie parce que la vie ne cherche pas à nous détruire, si elle l'avait voulu, ce serait fait depuis longtemps. La vie nous aide à suivre un chemin qui est certes parfois difficile, mais toujours pour nous apprendre et nous faire grandir, nous faire avancer. Donc faites confiance aussi à la vie. Et je me suis toujours accroché dans une phrase que j'avais trouvée quand j'étais gamin. Je ne sais pas où je l'ai sortie, hein, je ne peux pas vous dire du tout, mais je me suis toujours accroché à une pensée depuis que je suis tout bout de chou, c'est que dans toutes les épreuves, dans toute situation désagréable, il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir. Pourquoi j'ai eu cette pensée? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle m'a guidé dans ma vie et qu'en fait, j'ai toujours considéré en regardant les épreuves que j'ai traversées dans le passé, eh bien tout simplement, je m'aperçois qu'en effet, il y a eu des événements qui ont été difficiles, mais qui m'ont amené vers d'autres qui ont été absolument merveilleux à leur tour. Voilà, donc il faut le savoir, et c'est aussi une question de confiance par rapport à ça. Voilà donc les messages de cet enfant intérieur qui est toujours plein de bon sens et plein de bienveillance. Et en attendant, je vous renouvelle mes remerciements pour ces commentaires, ces idées de sujet, pour ces likes et puis bien sûr pour votre présence. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à refaire cette vidéo pour obtenir des résultats de plus en plus profonds sur toutes vos peurs, vos angoisses, vos phobies, vos stress, votre déprime, votre burn-out, votre insomnie, parce que à chaque fois, c'est un peu comme quand on pèle un oignon, évidemment, à chaque fois, on enlève une couche et à la fin, on va arriver au cœur du problème, et c'est là que véritablement la délivrance arrivera. Je ne sais pas combien de couches il y a dans chacun d'entre nous, mais on n'a que du bonheur au bout du chemin. Portez-vous bien, mes amis, et à très vite.